Déclaration du barreau de Côte d'Ivoire. La République a pour socle les lois dont la plus importante est la Constitution, au-dessus de tout et de tous, la norme des normes. Dans le préambule de la Constitution, le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement au principe de la démocratie pluraliste, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. La Constitution dispose en ses articles 139, alinéa 1er, le pouvoir judiciaire est indépendant. Et 140, alinéa 3, le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi. Enfin, l'article 92 in fine de la Constitution prévoit que la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. Ce à qui notre peuple souverain a confié en son nom le pouvoir de dire le droit et réguler paisiblement tous les conflits sont les juges. Il résulte donc de ces tests que le juge ne doit recevoir d'ordre que de la loi. De même, la loi fait de l'avocat l'un des acteurs principaux de la justice. Le barreau de Côte d'Ivoire demande, en conséquence, solennellement aux juges ivoiriens d'accomplir leur mission en toute indépendance et impartialité. Le barreau rappelle aussi à ses membres que la profession d'avocat repose sur les principes d'honneur, d'indépendance, de probité, de délicatesse, de loyauté et de dignité. Rien, absolument rien, ne peut justifier des pratiques contraires. Notre avenir commun commande que chacun des acteurs principaux de la justice joue sa partition en se conformant à son serment. Un poste politique et administratif, une promotion et même la promesse ou l'attrait de biens matériels, tous éphémères par essence, ne mettront jamais un juge ou un avocat à l'abri du jugement implacable et définitif de ses concitoyens constituant le peuple souverain de Côte d'Ivoire et de l'histoire de notre nation en construction. S'il y a un refuge dans notre société où les citoyens et les investisseurs devraient se sentir en sécurité, c'est bien la justice. L'état de droit ne se proclame pas et ne se décrète pas. Il se prouve. Le barreau de Côte d'Ivoire saisit l'occasion de cette adresse pour vous présenter ses vœux de paix et de prospérité pour l'année 2019. Fait à Abidjan le 28 janvier 2019 pour l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, le bâtonnier.